Skelmose qui lance. Finalement, on va pas se faire reprendre. Skelmose qui lance. Il y a Romain Grégoire en deuxième position, Ayuso en troisième. Ah non, c'est Romain qui est devant. Romain est devant maintenant. Non, avec Romain, Ayuso. Ayuso. Allez, Romain avec Ayuso. Romain avec Ayuso. Le sprint est lancé. Skelmose ne remportera pas. Romain Grégoire est devant. C'est Ayuso va s'imposer. Victoire de l'Espagnol Ayuso pour sa première participation. Il y a peut-être le titre ou la médaille au bout. Elle est très longue cette dernière ligne droite. Il faut tout donner jusqu'au bout pour aller peut-être décrocher une deuxième médaille d'or sur ces championnats du monde jeunes et juniors. Antonin Guy à l'arrivée pour pousser jusqu'au bout, faire fructifier ce 19 sur 20. Antonin Guy à l'arrivée. Il est en tête évidemment, 1 minute 10 d'avance. Balcé qui est parti sur la droite, qui revient tranquillement de droite à gauche vers le drapeau. Ça vient bien. Oh là là, quel coup de fer de la part de Jules Sullivan qui a failli rentrer. Cette balle avait un tout petit peu trop de vitesse. Et le ballon est encore exploitable. Zamora a sorti un trou. Oui, on va le fermer. La remise intérieure et c'est Lucas Zamora qui va marquer. C'était magnifique. Les Français, la prise d'initiative, superbe. Et le petit 1-2 là, magnifique. Avec Tacola. Ouais, superbe essai. La victoire qui va se jouer a priori entre ces deux hommes. On se regarde, on se jauge. On a choisi le coup d'œil de Nils Polite. Il faut rester à gauche, à droite. C'est déclenché par Yann Tratnik au milieu de la route. Et il est trop fort, Polite. Yann Tratnik. Nils Polite qui n'a pas pu se lever, qui n'a pas pu se mettre en danseuse. Et la Visma Liseberg qui était surreprésentée à l'avant. Mais c'est finalement un autre homme, Yann Tratnik, qui remporte ce Nils Black. Allez, l'argent peut-être pour Valentin Eugène. Est-ce qu'il peut terminer devant Bouska? 10 secondes, ça sent la ligne. Allez, ça va le faire. Ouais, Valentin Eugène, ça va le faire. L'argent provisoire. Ouais, oui, super. Ça passe pour Valentin Eugène, vice-champion du monde pour l'instant de cet individuel. Ah, il a tout donné, hein. Il a vraiment tout donné là, le français. Corima démarre vers le tenu. Abdou, il y a 4 contre 3 joué. Le doublé de Tariq Sims, 47e minute de jeu, le doublé de Sims. Ouais, regardez le bon choix d'Abdoul, on avait anticipé sur l'extérieur. On était directement allé chercher les centres. Attaque tranchante de Tronchon, avec quelques mètres pris à l'instant. Et derrière, eh bien, c'est Marc Hirschi qui fait l'effort. Qui coince encore, comme hier. Skelmose qui est en train de coincer, exactement comme hier. Comme hier, effectivement, dans le Val d'Enfer. Et Skelmose est en difficulté. On ne s'attendait pas à ça. On était en train de spéculer sur une attaque du champion du Danemark. Eh bien non, finalement, Bastien Tronchon après l'initiative. Et c'est fait. Otto Virtanen qui remporte ce match et remporte ce tournoi Challenger de Pau, le Teréga Open. Ah, bravo aux Finlandais, hein, qui aura été costaud tout au long de cette semaine. Molly Conjui, 4,86. Peut-être, ça va passer. Oui. C'est le record du meeting. Le record du meeting. Et il y a de la place. Superbe! Ça peut aller plus haut. Hein. Et record personnel! Molly Conjui, meilleure performance mondiale de l'année!